Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Artsoft, on se retrouve pour un nouveau défi en rééquilibrage. Donc cette fois-ci avec une nouvelle équipe. Donc présentation d'équipe vite fait. Pelé, les gars, le roi Pelé, associé à Ronaldo BU, qui est associé lui-même à Paoletta, avec derrière du classique, hein, du Yaya Touré, du Modric, du Carvaral, compagnie, Yaya Touré, Colo Touré, Inform, etc. Thibaut Courtois, le classique derrière. Et cette fois-ci pour le premier match, on tombe sur une team BPL de non-brillants. Donc non-brillants, les gars, personnellement, moi ça me fait très très peur ce genre d'équipe. Je sais pas vous, mais moi c'est le genre d'équipe où je suis pas serein. Dès que j'ai une grosse équipe et que je me dis que le gars en face il a une team non rare, je me dis c'est un gars qui maîtrise, il va me faire les fesses. Bref, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tout le temps en panique. J'ai un petit peu chié sur le montage. Il va falloir attendre quelques petites secondes, voilà. Première occasion, corner à la deuxième minute. Balle qui retombe dans les pieds de Modric, la frappe et 1-0. Je vous avoue que les gars, à 3 minutes de jeu, la frappe de Modric m'a rassuré. Mais c'est pas fini encore, c'est pas fini. Pelé, balle au pied, fin de frappe, on accélère. Regardez ça. 3 joueurs autour de lui. La mec qui dit, ça fait mal. La frappe sur le poteau. Malheureusement, la frappe sur le poteau, mais c'est pas terminé. Ça retombe dans les pieds de Ronaldo, la frappe. Oh là là. Juste à côté, c'est chaud. On met la pression directement. Et là, mon adversaire va profiter d'une erreur défensive de compagnie. Il va frapper. Heureusement pour moi, Thibaut Courtois répond présent. On continue. Yaya Touré pour Pelé. Le scoop turn qui ne passe pas. Yaya Touré qui la donne à Ronaldo. Ronaldo qui va profiter d'une erreur défensive ou d'un bug du jeu. On sait pas. Un bug de collision peut-être. En tout cas, on va profiter de cette erreur pour marquer. Mettre le but du 2-0 juste avant la mi-temps. On est bien pour l'instant. On est vraiment bien. Touré qui va lancer. Pelé dans la profondeur. Pelé qui va redonner à Ronaldo. Ronaldo qui aura l'écartement. Ou le petit écart de Pelé. Fin de frappe. On enroule. Petit filet. 3-0 les gars. 3-0. On peut penser qu'on est rassuré à ce niveau-là. 60e, on est bien. 3-0. Pas sûr les amis. Pas sûr. On continue avec Ronaldo. Fin de frappe. On accélère. On pousse le ballon très loin parce que c'est la seule solution quand tout le monde arrive sur toi. La frappe juste à côté. Et là ça va être décisif cette frappe les gars. Pourquoi? Parce que regardez. Tadic qui va lancer. Zarate qui va frapper. Bon, Courtois va répondre présent sur cette petite frappe, donc ça va, on est serein. Et là, Moses, le centre. Et regardez-moi ça. Cabella qui va venir prendre de la tête. Colo Touré. C'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Et ça continue, regardez. Tadic qui va centrer sur Zarate. Compagnie qui va se trouer, les gars. Compagnie qui se trouve sur sa tête. 3-2. Zarate qui prend Compagnie de la tête. C'est pas normal, il va y avoir un petit rééquilibrage. Mais heureusement, ça s'est fini par une victoire de ma part. On est plutôt bien. On continue, quart de finale, on est qualifié. Ça fait plaisir. Paoletta, les gars, par contre, je sais très bien ce que vous allez me dire dans les commentaires. Je tiens à le signaler. Ouais, mais Rui Constant, s'il te plaît, Paoletta, faut pas le mettre MOC. Je sais, les gars, mais je voulais changer un peu. Je voulais changer parce que Rui Constant avait déjà joué avec lui, avec Gullit, etc. Et là, je voulais mettre Paoletta pour tester. Il est pas mauvais, mais c'est vrai qu'on va pas le voir. Ensuite, on continue donc pour ce match. Contre une petite Serie A. Ronaldo qui va se procurer une première occasion avec une frappe pétée. Malheureusement, Modric qui va continuer à passer pour Ronaldo. C'est vrai que là, Ronaldo, je vais beaucoup l'utiliser sur ce match. Ronaldo, le stop and turn, ça passe, la frappe. On bute encore sur le gardien, malheureusement. C'est chaud. On continue, Ronaldo. Et encore arrêté par le gardien. Dommage. Paoletta. On le voit une fois, les gars. On le voit une fois, Paoletta. Paoletta, Ronaldo pour Pelé. Scoop turn, encore scoop turn. Là, j'arrête pas. J'embrouille l'adversaire. Mais on tire quand même à côté. 0-0, toujours. C'est chaud. Encore une balle pour Ronaldo. Et on bute encore. Face au gardien. Et là, l'adversaire, première occasion sur un centre. J'ai failli prendre un but. Coup franc, centre-tête, ça a failli être chaud pour ma gueule. Et heureusement. Et là, récupération de la balle de Courtois. On lance en profondeur. Ronaldo, il est tout seul. Donc on va profiter de sa vitesse. Hein. On va se décaler, accélérer. Tranquillement. Et là, comme d'habitude, le mec qui dit spin pour se remettre sur le bon pied. On continue de courir. Passe pour Pelé, scoop turn, on assure. Après on assure, la petite frappe, petit filet. 1-0, bien joué à Pelé. Mais l'adversaire va pas se laisser faire, regardez Menez. Il va frapper sur le poteau, heureusement pour moi. Gros coup de chance, et je pense que c'est le tournant du match. Parce que là il va avoir d'énormes occasions avec Cabella, etc. Ça va pas se concrétiser tout de suite. Puisque là, les gars, regardez. Corner, Marquisio, le centre. Et heureusement, gros sauvetage de Colo Touré. Un truc de fou, franchement le sauvetage, un truc de fou. On continue, on pousse, corner pour moi. Et là on va profiter encore une fois d'un gros coup de chance. Le ballon va retomber dans les pieds de Fernandinho. 2-0, on est plutôt bien. Pelé encore une fois avec le ballon. Scoop turn, on tombe, penalty les gars. Penalty, l'arbitre n'hésite pas. Pelé qui va se lancer.
En face c'est De Rea, c'est ma bête noire et il l'arrête encore une fois. De Rea, putain les gars, j'ai vraiment pas de chance. Quand je tombe sur De Rea, chaque fois j'en chie, il a regardé. Cabella qui part tout seul, qui tombe. Et c'est penalty pour mon adversaire cette fois-ci. Et lui il va pas hésiter, il va le transformer. Pourtant je l'arrête, mais non. Encore un petit rééquilibrage ou quoi. Ça va dans les mains de mon Courtois, mais ça rentre dans les cages quand même, ça c'est abusé. Franchement c'est abusé, surtout qu'il a tiré dessus, c'est pas comme s'il avait bien tiré sur le côté et qu'on l'a touché. Bref, on est qualifié quand même en demi-finale. Et on en chie les gars quand même, on en chie, regardez le résultat. 3-2, 2-1. C'est pas simple, c'est franchement c'est pas simple du tout. Et je me rappelle que l'année dernière déjà quand j'avais fait un défiant de rééquilibrage avec Pelé, j'en avais chié. Je pense que c'est la mode, dès que t'as Pelé, bah c'est comme ça. Ensuite, demi-finale. Ronaldo, Suarez, Bale devant les gars, c'est pas la même. Juste Jordi Alba en défense centrale, ça m'a fait doucement rigoler si je peux dire. Non sérieux, je me demandais ce qu'il foutait là. Il est tout petit donc je sais pas, ça servait pas trop à grand chose. Surtout sur les centres têtes. En tout cas, première occasion, frappe sur le poteau de mon Ronaldo malheureusement. On est là pour faire une première alerte mais bon c'est pas fini. On lance Pelé dans la profondeur. Pelé face à Neuer. Et c'est le roi qui l'emporte, 1-0 sur sa frappe. Généralement de toute façon quand tu tires à ras de terre, Neuer il l'arrête pas. C'est abusé. En tout cas ils vont pas se laisser faire, surtout ça va continuer, le centre très rapide en profondeur, quoi très rapide, arrêt de terre plutôt. Bale est là, le mec va faire la chose qu'il ne faut pas faire les gars, ne jamais me faire la calma, parce que là il n'y a qu'une chose qui peut m'énerver, c'est le chute et la calma. Et lui il a fait la calma et je pense que là fallait pas, parce que là Ronaldo va faire la tête qui va crucifier Neuer encore une fois. Ça fait plaisir, Ronaldo bon de la tête comme en vrai hein, contre Schalke 04 il a mis un doublé de la tête. Et il est on fire ce petit. Il est on fire. On continue de pousser. Paoletta qui va faire le centre sur Ronaldo. On va buter sur Neuer quand même. 2-1 toujours. Et là, regardez-moi ce L1 triangle du futur. C'est abusé. Et là, l'adversaire va buter sur Courtois. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que là, c'était franchement le tournant du match. S'il marquait là-dessus, il revenait à 2-2 et c'était chaud. On continue. L'une tête encore de Ronaldo. Mais Courtois est présent. Courtois magique sur ce match encore une fois. Grâce à Courtois les gars on va quand même aller en finale. Mon adversaire qui a la haine va m'envoyer un petit message. Le petit FDP qui va faire plaisir. Ça fait toujours plaisir, moi je réponds le petit. Ah t'as la haine cousin. C'est pas grave, t'as perdu, moi je suis en finale. Y'a pas de souci, j'ai gagné 2-1. Allez dégage mon gars. Allez arrête FIFA. Bref, on continue. On est en finale les gars, on est en finale. Ça fait plaisir. Et là on va rencontrer une nouvelle équipe. Une équipe qui m'a surprise, franchement je m'attendais pas à rencontrer ça en finale. C'est une très bonne équipe mais je sais pas, je la trouvais très bizarre. On va la voir tout de suite. Il y a du man of the match mais je l'ai trouvé très bizarre l'équipe. Donc ça charge, bon on est en train de galérer pour la recherche de partie. Ça c'est un grand classique, on est habitué. En finale, c'est pas souvent qu'on trouve du monde. Voilà, là on tombe sur l'adversaire, regardez ça. Bonnie man of the match. Touré en MOC, Dembélé en MC, Eriksen milieu gauche. Voilà l'équipe je la trouvais bizarre. Et on va pas tarder, on pousse direct nous, 2 minutes de jeu. Mauvaise relance de l'adversaire. Pelé, première reprise, Pelé, deuxième reprise, à côté malheureusement. C'est chaud, mais regardez les gars le nombre d'occasions que je vais avoir dans les 10 premières minutes. Pelé encore, on accélère avec Pelé. On continue, frappe, pied gauche. On bute sur le gardien. Corner, regardez. Ronaldo la tête sur la transversale. C'est chaud les gars, c'est chaud, 10 minutes de jeu seulement. Là on est encore là, 11ème minute. Pelé encore, qui va faire la passe, ça va revenir dans les pieds de Fernandinho. Et voilà, on va encore buter, ça passe à un demi-cheveu de la ligne. C'est chaud les gars, c'est chaud comme on pousse, ça se concrétise pas. Là, on lance Pelé dans la profondeur, regardez ça. Frappe pied gauche et ça va. Encore buter sur le gardien, poteau, c'est chaud. Je me suis dit, avec le nombre d'occasions que j'ai eu, je vais perdre les gars. Et là, je lance Ronaldo en profondeur. Un éclat de génie, regardez ça, le contrôle qu'il a fait. Revenez en arrière. Le grand pont qu'il fait avec son pied gauche, c'est chaud. Il a mal contrôlé et on marque derrière, c'est abusé. Mais franchement, c'était mérité avec le nombre d'occasions. On relance, Pelé dans la profondeur, Pelé tout seul. Et là, franchement, une fois pas deux, on dribble le gardien. Ou du moins, on fait un petit tout droit. On assure le 2-0. C'est normal. On est en finale, les gars, faut pas abuser. Ronaldo pour Yaya Touré. Le départ de Pelé, encore une fois, la vitesse de Pelé. Inarrêtable. Franchement, si tu te prends pas direct à la gorge, Pelé, c'est fini. Il est inarrêtable. On prend le petit plat du pied. 3-0, on est bien, on est en finale. Ça fait plaisir, pardon. L'adversaire qui aura une seule occasion. Frappe avec Falcao. 3-1. Non. Hors jeu, mon gros. Hors jeu, Falcao. Dégage. Dégage encore une fois. On continue. Touré qui lance Ronaldo. Puis là, on va encore pas avoir de pitié pour l'adversaire. Frappe extérieure du pied. Le 4-0.
Le 4-0 en finale, les gars. Et l'adversaire va pas assumer. 53ème minute, le Rage quitte. On est champion. On est champion avec cette équipe. On a encore défié le rééquilibrage. On est bien. Doublé de Pelé, doublé de Ronaldo. La base. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment bien. Ça fait vraiment plaisir. Victoire méritée pour cette finale. Après, c'est vrai que j'en ai chié pour le reste du temps, hein, pour les autres matchs. Mais en tout cas, on est champion, on est bien. Et maintenant, les gars, j'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit like si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires une nouvelle team à faire avec des légendes ou n'importe quoi. Faites-vous plaisir au niveau budget. Abusez pas, mettez pas un peu l'aiguille, faites pas une poule légende non plus, mais faites-vous plaisir. Il peut y avoir du Messi Totti, etc. Il n'y a pas de pack en victoire. Bref, sur ce, les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez encore pas à mettre des commentaires, un petit like. C'était Lartsoft, bis sur la fesse et bon week-end, les gars.